Je pense qu'on va débuter. Alors, c'est un très grand honneur pour moi d'accueillir à la faculté le juge Juan Guzmán Tapia. Vous le connaissez parce qu'il est célèbre pour son rôle dans la poursuite de Pinochet au Chili. Mais je vais peut-être vous apprendre quelques nouvelles choses sur son parcours. Alors, il est né à El Salvador en 1939. Son père était chargé d'affaires du Chili à ce moment-là. Il a étudié le droit à Santiago. Ensuite, il est devenu juge d'instance d'abord et ensuite juge de la cour d'appel. Il a enseigné le droit dans différentes universités au Chili, le droit judiciaire, l'éthique et le droit pénal, comme je l'ai dit, dans des universités, mais aussi à l'académie policière. Alors, c'est un auteur de renom. Il a publié plusieurs livres, plusieurs articles concernant le droit et les droits humains. Il a écrit sur la sentence, sur l'éthique, sur la Cour pénale internationale et d'autres sujets. Il a reçu des doctorats honoris causa, des doctorats honorifiques de nombreuses universités et a reçu aussi de nombreux prix que je ne vous nommerai pas parce que je vais l'empêcher là, de parler. Alors, en ce moment, il est doyen d'une faculté de droit à Santiago et il enseigne aussi l'éthique. Alors, s'il vous plaît, l'accueillir avec moi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà. C'est pour ne pas vous ennuyer. Alors, Madame la doyenne, Madame et Monsieur vice-doyen, professeur, élève, compatriote, ami, merci beaucoup pour l'honneur d'être avec vous et pour pouvoir communiquer devant vous quelques expériences juridictionnelles, parfois absolument de la justice ou juridiction nationale, et aussi quelques expériences de la justice internationale, ou même dite de l'univers, comme beaucoup de professeurs le disent. Le Pinochet et la dictature sont loin pour beaucoup de vous, parce que vous êtes jeunes, parce que c'est un nom déjà qui a quelques consonances historiques. Mais je vais parler un petit peu de qui était Monsieur le Président Allende, le coup qui s'est produit après 3 ans de sa présidence constitutionnelle et démocratique. Et finalement, qu'est-ce que c'était le coup? Pourquoi? Quels étaient les buts du coup d'État? Finalement, comment a réagi la justice chilienne vis-à-vis le coup d'État et vis-à-vis la dictature? Les arbres du Canada, qui sont merveilleux, ne m'acceptent pas encore. Alors je dois être tout le temps en train de prendre des pilules, de me moucher, de prendre de l'eau, parce que c'est une allergie que je ne savais pas qui existait. Je pensais que toutes les allergies contre moi étaient au Chili. Mais... bon, le président Allende était un médecin politicien. Il a été élu depuis très jeune comme député du pays, après comme sénateur.
Il a postulé pour la présidence du Chili en 4 occasions. Et en 1970, il a gagné les élections. Pas par une grande majorité, mais avec un 36% de la majorité, ce qui a signifié que le Congrès, le Sénat, pour être plus précis, devait choisir entre les deux candidats qui ayant obtenu la plus haute majorité. Et comme Allende a obtenu la majorité entre ces deux candidats, il a été choisi par le Sénat, en suivant une tradition assez ancienne chilienne, que quand le Sénat devait décider, le Sénat décidait toujours, traditionnellement, en respectant les gens, celui qui avait obtenu la plus haute majorité. Quoique ce n'était pas une énorme majorité, comme je viens de vous dire. Bon, il y a le gouvernement des États-Unis, il y a la droite dure chilienne, il y a l'armée qui n'acceptait pas l'idée d'avoir un président socialiste. Et pire que tout, marxiste. Ils n'ont pas pensé vraiment au pays. Ils ont pensé, comme toujours, ils ont pensé à leur poche, et à la convenance des États-Unis, au business, etc. Et au bout de 3 ans, il y a eu un coup sanglant qui a causé beaucoup de victimes, dont je parlais tout à l'heure. Après l'élection d'Allende, il y a eu une crise économique et sociale assez importante. Et aussi, il y a eu beaucoup de sabotage, parfois, ou généralement, on entrait dans des magasins et on trouvait très peu de choses, pas de blé, pas de pain parfois, pas de lait parfois, pas de farine parfois. Et finalement, on disait, les choses ne marchent pas. Vous vouliez acheter de pneus pour votre voiture, et vous allez au magasin, et, oh, plus de pneus. Alors, les gens ne se rendaient pas compte que c'était un grand sabotage qui faisait quelques gens et quelques groupes au Chili. Et c'est évident, et les choses parlent par eux-mêmes, ce qui s'est passé au Chili. Il y a le coup d'État, quelques jours se sont passés, et 3 ou 4 jours après le coup d'État, on trouvait le magasin plein de tout. Vous vouliez un TV, oui, vous pouvez choisir de toutes les marques de nouveau. Si vous vouliez acheter des pièces pour la voiture ou une autre voiture, ou des pneus, ou quoi que ce soit. Tout est comme par art de magie. On a tout retrouvé de nouveau. Et une des raisons pour lesquelles le président Allende n'a pas été élu, c'est parce qu'on disait qu'il ne savait pas comment gérer l'économie du pays et que la grande preuve, c'était qu'il n'y avait plus de produits. Quelques jours avant le coup, le pays s'est complètement paralysé. Vous connaissez bien la forme du Chili. C'est un pays très long, de 4000 kilomètres de longueur. Alors, c'est très facile de... Je ne devrais pas dire ça s'il y a des Argentins ici. Mais c'est facile... bloquer et paralyser le pays, le Chili. Parce qu'il suffit de... Disons que ça, c'est le Chili.
tout le fleuve vont de l'est vers l'ouest. Alors, il suffit de paralyser le pont en plusieurs parts où il y a des routes, des autoroutes ou de petites routes, et alors le pays est paralysé en 1000 morceaux. Alors, les propriétaires et les conducteurs de poids lourds ont précisément fait ça. Ils ont pris leur camion et ils ont bloqué tout le pont et le pays a été complètement paralysé. En même temps, il y a une partie de l'armée des États-Unis, de la flotte des États-Unis, qui s'est établie devant le port le plus important pour collaborer avec le coup d'État. Et le plus triste, c'est que des avions de la force aérienne du Chili ont bombardé directement la Moneda, c'est-à-dire le palais du gouvernement. Et je pense que c'est l'acte plus antipatriotique qui a été commis dans l'histoire du Chili. Un acte de très haute trahison. En tout cas, ils ont célébré pendant 17 ans cette attaque contre le président de la République et contre des gens tout à fait qui ne pouvaient pas se défendre. Et c'est comme ça qu'était le geste le plus grand qui s'est produit du coup. C'est comme ça que le coup a commencé. Après, il y a eu quelques affrontements pas très importants, c'est-à-dire très importants si vous comptez numériquement de la part de l'armée, et avec très peu de résistance. Et finalement, au bout de 3 jours, tous les bouleversements ont fini. Des tanks, des chars ont aussi envahi les principales rues du centre de la ville. Et il y a eu pas mal de gens tués, énormément de gens emprisonnés. Et la répression a commencé le même 11 septembre 1973. Bon, c'est pourquoi ils ont fait cet bombardement sur le palais de la présidence. Parce que avant, il y avait eu des soldats qui se sont levés en armes et qui ont dit, bon, on a jusque-là de M. Allende, et du communisme, etc. Donc, on va essayer de renverser Allende. Et ça, c'était arrivé. En réalité, on ne peut pas dire une fois ou deux fois, deux demi-fois. C'était vraiment de la folie des gens qui... C'est comme si je voulais me battre avec une épée contre des gens qui ont des tanks. Enfin, c'était vraiment une folie. Mais l'ambition, la stupidité, le mauvais critère, enfin, il y a tellement de raisons qui font les gens agir d'une façon totalement fada. Bon, quelle est la raison pour laquelle il y a eu tellement de bruit et tellement d'abus et tellement de moyens pour prendre l'État, le gouvernement? Parce que les militaires ont dit, ah non, cette fois, c'est en sérieux. Cette fois, c'est vrai qu'on va renverser le gouvernement. Et si vous êtes contre nous, les gens, alors c'est comme ça qu'on va agir avec vous aussi. Et ils n'ont pas menti. Quels ont été les objectifs du coup? Le premier, naturellement, éliminer le président Allende, qui était considéré comme une menace
à la démocratie. Deuxièmement, il fallait éliminer le Parti communiste et ses alliés, les socialistes, le MAPU, les radicaux de gauche, les chrétiens de gauche, le MIR, etc. Il fallait rétablir l'ordre du pays parce que je vous ai parlé déjà qu'il y avait un grand chaos, mais ce n'est pas avec le coup, comme on va voir tout à l'heure, que l'ordre est établi. Finalement, le quatrième but, on l'a vu et on l'a su à fur et à mesure que le temps passait. Il fallait instaurer au Chili une économie néolibérale assez emblématique, bien plus emblématique et forte que l'économie néolibérale des États-Unis qui a inspiré ce mouvement à travers des étudiants chiliens qui allaient étudier aux États-Unis et qui s'appelaient les Chicago Boys. Bon, les juges. Comment il agit vis-à-vis le différents moments de l'histoire récente. Quand Allende a été élu, vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Je pense que on peut. Comme ça, c'est. Ça va, oui. Ça, vous pouvez. C'est mieux. Bon. Allende a été élu l'année 70, pardon. J'ai toujours l'espagnol là. Et, 3 ans plus tard, il y a eu le coup d'État. En ce moment-là, il y a eu beaucoup de problèmes entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup d'arrêts, de décisions des tribunaux qui produisaient, selon le président Allende et son gouvernement, qui produisaient des problèmes sociaux, des conflits sociaux. Alors, Allende a beaucoup gouverné avec des décrets, comme je vous ai dit avant, parce qu'il n'a pas eu une majorité énorme, et quand il s'agissait de créer des lois, il n'avait pas le numéro de sénateurs ou de députés qu'il fallait. Les quorums qui étaient nécessaires, il ne les avait pas. Alors il s'est habitué à gouverner avec des décrets. Et c'est avec un décret qu'il a pu, le gouvernement, qu'il a obtenu que les arrêts, que les décisions judiciaires ne se respectent pas. Par exemple, s'il y avait un locataire qui ne payait pas sa location et demandait à la justice, au tribunal, que le contrat soit arrêté et que le locataire soit envoyé à la porte. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Mais en tout cas, qu'est-ce que le gouvernement d'Allende faisait? Bon, nous considérons que c'est un arrêt qui va contre la société, contre mon programme social. Donc, je vais utiliser les décrets pour arrêter les décisions judiciaires et pour que les gens ne soient pas dérangés et foutus à la porte. Bon, ça, c'est naturel d'ailleurs, ce que je vous racontais, ça a causé beaucoup
de ressentiment, comment ? Animosité. Merci, d'animosité vis-à-vis le gouvernement. Et c'est comme ça que le pouvoir judiciaire a commencé à considérer qu'il n'y avait pas une division, la division qui correspondait des différents pouvoirs d'État, et que c'était une guerre ouverte entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, que ça ne pouvait pas continuer. Mais les journaux ont exacerbé cette malaise. Et finalement, on pensait qu'il y avait une vraie guerre entre les deux pouvoirs. Et je parle toujours de ça, parce que je pense que c'est la façon comme la justice et le pouvoir exécutif ont fait leur fonction pendant 3 ans, ça va peut-être nous aider à comprendre un petit peu plus, pas beaucoup, mais un petit peu plus, le nonchalance du pouvoir judiciaire pendant la dictature. La dictature a quelques moments dont je voudrais m'arrêter. Je vous expliquais déjà l'animadversion qui a existé entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Après le coup 1973, il y a eu énormément de gens qui ont été tués, qui ont été emprisonnés dans des prisons clandestines, naturellement illégales. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont disparus aussi. On peut dire qu'il y a eu 3100 personnes assassinées, plus de 1200 personnes disparues. Environ 250 000 torturés, terriblement torturés, et de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes ont perdu leur poste, quelques-uns leurs propriétés, ils ont perdu, ils ont été renvoyés du Chili, exiliés, et il y a les pires violations aux droits humains de toutes les générations qui se sont produites pendant les premières 5 années de la dictature. Après l'année 1980, la junte militaire a créé une constitution très autoritaire qui voulait vraiment que tout le monde pense d'une seule manière et que établit un système où l'économie devrait être néolibérale, avec le minimum d'État dans les décisions nationales et un maximum où la plupart des affaires appartenaient au secteur privé. Et il y a eu même des droits de l'homme ou des droits des personnes qui ont été créés dans l'article 19 de la Constitution, où on pense que c'est une constitution très ouverte, où tous les droits des êtres humains ont été articulés, contemplés et défendus. Mais ce n'était pas vrai.
parce que tous les droits qui étaient par rapport à... On dit lucre en français, non? Lucre. Profit. Profit. Qui avait à voir avec le profit était défendu, très défendu, mais pas tous les droits sociaux. Alors oui, c'était une constitution pour les compagnies, pour les gens avec des grandes fortunes, pour les industriels, etc., mais pas pour les gens, pas pour les travailleurs, pas pour la classe moyenne, ni les classes basses, qui sont énormes. Bon. Ça, cette constitution a fait que l'autre constitution, qui était une constitution de 1925, et qui était une constitution social-démocrate, qui a coûté beaucoup, mais finalement qui a été un exemple dans le monde de comment on pouvait faire que les idées social-démocrates puissent se consacrer dans la carte fondamentale, dans la Constitution. C'était une constitution modèle, et maintenant beaucoup de gens démocratiques voulons avoir une nouvelle constitution, mais naturellement en ayant une ouverture réelle et pas seulement symbolique comme dans la constitution de 1980. Bon, il me reste très peu de temps pour vous expliquer comment le pouvoir judiciaire a agi. L'année 78, il y a eu un décret loi d'amnistie. Cette amnistie a été écrit l'année 68 et a pardonné, j'allais dire auto-pardonné, mais cette auto-amnistie faite par le gouvernement dictatorial de Pinochet a pardonné les crimes qui se sont produits entre 1963, dictature, pardon, coup d'État, et 78, mars de 78. Alors, tous les crimes commis par la dictature, et par n'importe qui finalement, tous les crimes commis entre l'année 73 et l'année 78 ont été pardonnés par cette amnistie. Parce que l'amnistie est un pardon. Et alors, le crime, tout le monde sait que ça ne peut pas s'annuler. Mais ce qui peut s'annuler est la peine qui est assignée au crime ou au délit. C'est un petit peu d'histoire. L'année 98, il y a eu un référendum au Chili. Je pourrais parler des heures de ça, mais je vais le mentionner seulement. Le référendum a dit non à Pinochet et a dit oui à la démocratie. L'année 99, il y a eu des élections. Le président Patricio Aylwin, a été choisi. Il appartient à la démocratie chrétienne chilienne. Et l'année
1990, là je suis plus sûr, a commencé vraiment la démocratie. Après, je vais parler de 1998. Bon, pendant les premières années, 1973 et 1978, le pouvoir judiciaire a vraiment travaillé ou a fait la justice pour favoriser la dictature militaire. C'était ce qu'on dit au Chili ou en Espagne, un entreguismo. Ils ont simplement collaboré, comme c'était en France après le début de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un État qui faisait tout ce que le nazi voulait. Bon, au Chili, c'était pareil. Laissez-moi vous dire que dans ces 5 ans, il y a eu plus de 10 000 habeas corpus qui ont été présentés. Mais il y a eu le même numéro de habeas corpus qui ont été présentés à la justice chilienne. Le même numéro ont été rejetés. Alors, ça, c'est une preuve qu'il n'y avait pas de justice. C'est quoi un habeas corpus? C'est l'action constitutionnelle plus rapide, plus garantiste pour pouvoir savoir où est une personne qui est mal détenue, une personne qui est illégalement détenue, et pour savoir de lui, pour savoir sur sa santé, et pour arrêter la prison illégale. Mais les juges n'ont pas collaboré à faire leur propre travail, et le travail le plus noble, qui est aider les gens. Non, ils n'ont pas fait ça pendant les premiers 5 ans. Entre 1978 et 1978 et 1990, il n'y avait peut-être pas tellement de disparus, mais la justice a été faite comme je dis tout à l'heure, a été très dure pour les faibles et très molle pour les forts. Alors, c'était ce qui s'est passé pendant pratiquement toute la période de la dictature. Je pense que je pourrais parler aussi des heures au sujet à la forme de faire la justice. Je peux vous dire que pour les crimes commis entre 1973 et 1978, pour le juge, c'était très facile parce qu'on appliquait l'amnistie, la auto-amnistie, et l'affaire était arrêtée. Mais s'il y avait des gens qui présentaient des plaintes criminelles aux tribunaux, les tribunaux faisaient des investigations terriblement insignifiantes et superficielles, et ils classaient le dossier le plus vite possible. Ou s'ils ne faisaient pas ça, ils envoyaient carrément les dossiers à la justice militaire, et la justice militaire, simplement avec une signature, disait qu'il fallait classer les dossiers pour un crime X déterminé, etc. Alors, je dis que Elwin a été élu et il a gouverné de 1990 jusqu'à 1994. Comment ? 94. Après, c'était le président Eduardo Frei
Ruiz Tagle, qui a gouverné 6 ans. Et dans la présidence de Frei Ruiz Tagle, s'est produit quelque chose dont je vous ai expliqué aussi avec une craie, parce que c'est très difficile d'expliquer autrement. La plupart Pinochet était le dictateur de 1973 jusque 1980, où la constitution de Pinochet a dit que ce n'était pas le chef de la junte maintenant, mais il est devenu président. Parce que la junte, parce que la Constitution l'a dit, simplement, il est devenu président de la République. Et comme président de la République, il a gouverné jusque 1990. Après, il n'était plus président du Chili, mais il a conservé la qualité de chef, commandant en chef de l'armée, jusqu'à l'année 1998. Et après, quand il a fini comme commandant général de l'armée, il a continué, mais cette fois-ci comme sénateur. Comme sénateur de la République, imaginez-vous un tyran qui devient membre de la maison, pour dire, de la démocratie qui est normalement dans le pays moderne, c'est le Sénat et la Chambre des députés. Bon, mon histoire a beaucoup à voir avec ce phénomène. Les gens ont accepté finalement, parce qu'ils ne pouvaient rien faire, que Pinochet continue à être commandant en chef. Après tout, il était militaire et en principe, c'était en principe tout ce qu'il pouvait faire ou devait faire. Mais devenir sénateur a dérangé beaucoup de gens. Je pense que c'est comme ça, c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à devenir démocrate de nouveau. Avant, c'était un procès vers la transition, mais la transition n'arrivait pas. À mon avis, la transition n'est pas finie. Mais il y a beaucoup, pour ça, on peut parler des heures aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 12 janvier 98? Des gens indignés avec cette idée que Pinochet soit sénateur de la République ont présenté une plainte criminelle, et cette plainte criminelle est arrivée à mes mains. De la procédure, je ne veux pas parler. Je veux laisser mes paroles au doyenat. Si c'est nécessaire, pour que s'il y a quelqu'un qui voudrait savoir un petit peu plus, cette personne va voir, enfin, le peu que j'écris, que c'est un petit peu plus de ce que je veux dire. Bon, une plainte criminelle a été présentée, cette plainte est arrivée à mes mains, et les délits étaient pour les délits de génocide, torture, assassinat, etc., contre Augusto Pinochet et un autre groupe de militaires.
C'est comme ça que l'affaire Pinochet a commencé. Je pense que on peut continuer cette conversation d'une façon plus démocratique. Et peut-être vous pourriez me faire des questions et je pourrai répondre dans la mesure où je puisse. Merci beaucoup. Merci. Bon, ça c'est une part. Merci beaucoup de faire cette question. Je pense que c'est très nécessaire aussi. Je pense, et c'est plus qu'une pensée, je sais que cette plainte a été présentée pour embêter Pinochet, mais sans aucun espoir. Ça, il y a des avocats qui ont présenté cette plainte, qui m'ont dit, écoute, Juan, on s'imaginait jamais jusqu'où nous allions aller. Oui, il avait raison. Malheureusement, j'étais un vieux juge déjà, j'avais 58 ans, j'avais été juge depuis 1972. Alors, pour moi, et je vais vous dire la vérité, pour moi, j'ai pris ça comme une autre cause. Comme une autre cause, j'avais eu pas mal de causes assez difficiles, pas mal d'affaires très difficiles, et finalement, je pense avoir agi pareil toujours. Ça m'oblige un petit peu à parler de comment est la procédure au Chili. Au Chili, comme la procédure pénale, processale, pénale était à l'époque, il y avait le juge d'instruction qui menait l'affaire, qui demandait à la police, qui donnait des ordres pour l'investigation. Il recevait des témoins. Il recevait des victimes qui étaient aussi des témoins pour des choses qu'ils avaient présenciées. Et ils étaient témoins en même temps de la torture qu'ils avaient reçue. Et de quand il avait dernièrement vu un détenu disparu. Enfin, c'était très important. C'est à travers les témoignages qu'on a pu savoir toutes les choses qui se sont produites et que je n'imaginais jamais qui s'étaient produites. Ça, c'est impossible de s'imaginer les choses que j'ai entendues. En tout cas, la plainte criminelle a commencé avec, on dit, une querelle, on dit, mais je pense que le nom le plus exact, c'est une dénonce. Une dénonce. Et j'ai eu des témoins, déclarations de victimes, d'expertise, beaucoup de documents pour m'expliquer comment allait une ordre militaire, celui qui ordonnait, celui qui conduisait l'ordre à une instance plus basse, et finalement ceux qui avaient vraiment disparu contre qui avaient tiré contre les victimes. Et finalement, j'ai beaucoup dû étudier aussi
les traités, quelques traités internationaux qui n'étaient pas appliqués au Chili parce qu'ils étaient, ils avaient été jamais reconnus par le Chili. Alors, j'étais fou de voir la quantité de dossiers que j'ai reçus. D'abord, le premier cas, c'était le cas Confidencia. Je demandais à la cour d'appel de Santiago, comme je vous ai dit, Pinochet était sénateur, alors je demandais à la cour d'appel de Santiago de lever l'immunité de Pinochet. Et par une majorité de voix, la cour d'appel de Santiago a dit que non, qu'il n'y avait suffisamment d'évidence contre Pinochet pour qu'il y ait, pour qu'il puisse être poursuivi. Après, il y a eu le pire des cas, ou un de pires. Ils sont tous pires, non, ça c'est la vérité. La caravane de la mort. La caravane de la mort est un voyage. Le Chili va me manquer un peu. Enfin, je vais le faire de nouveau. C'est un voyage, la caravane de la mort, qui a été fait par l'ordre direct de Pinochet d'aller à quelques villes au sud et après retourner à Santiago et aller à quelques villes du nord du Chili. Et l'objectif de ces voyages a été de tuer des prisonniers de guerre. C'était des prisonniers de guerre parce qu'on parlait qu'on était dans un état de guerre. Alors, la façon dont les gens ont été tués, c'est inimaginable. La seule chose que je veux vous dire pour que vous ayez une idée de la cruauté, je ne sais pas comment on dit cette arme. C'est un couteau qui a la forme de... Mais c'est terrible. On la touche et c'est la même chose que pour ce... Oui, oui. Alors, il y a eu des dizaines de victimes qui ont été tuées simplement avec ce couteau courbe. Et je pense qu'en espagnol, on dit précisément corvos. Corvos à cause de la courbature. Bon, ça c'était... il y a des mères qui ont vu leur fils avec un œil de moins, avec sans bouche, parce qu'il avait été coupé. Et ça, c'était le moins. Parce que, en même temps, quand il tirait contre un groupe de victimes, et il tirait d'abord au genou, après au sexe, et finalement, à la fin, quand la personne était désespérée, bougeait de douleur, criait, alors ils ont été tués avec un tir ou dans le cœur ou dans le cerveau. Bon, ça c'est le moins, parce que je pense que le pire, c'est la torture qui ont souffert plus de 250 000 personnes. Bon, en même temps, il y avait d'autres causes. Opération. Opération Condor, Opération Colombo. Etc. En tout cas, dans la caravane de la mort, l'opération Condor, l'opération Colombo, je demandais aussi la levée de l'immunité du président de Pinochet.
Et autant la Cour d'appel de Santiago comme la Cour suprême ont autorisé la levée de son immunité. Alors Pinochet a pu être inculpé, pas à Conferencia, mais il a pu être inculpé à la caravane de la mort, au cas Opération Condor et au cas d'Opération Colombo. Il y a eu à peu près 200 autres causes qui ont été présentées, toujours à mes mains, et que finalement, avec le temps, ont été données aux autres membres de la Cour d'appel, parce que c'était impossible de pouvoir gérer plus de 200 causes à un seul magistrat. Est-ce que j'ai le temps de parler un petit peu comment on a pu faire un petit peu de justice? La plupart des crimes ont été commis entre l'année 73 et l'année 78. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le crime commis en ces périodes-là était favorisé par la loi d'amnistie de 1978. Donc, les avocats présentaient des pétitions d'application de cette amnistie. Et j'ai eu toujours très clair, maintenant j'ai plus de clarité au sujet de comment je pensais qu'il fallait gérer la loi d'amnistie. Le crime de séquestre ou enlèvement est un crime continu. C'est un crime qui ce n'est pas comme un assassinat, enfin un tir que quelqu'un fait contre une personne et cette personne meurt immédiatement. Pour moi, je considère l'assassinat courant comme un crime ponctuel. Au moment où la personne reçoit le coup, cette personne va être tuée, donc l'action est déjà arrêtée. C'est déjà établi. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 21. Si quelqu'un est tué aujourd'hui à midi et demi, ce crime va se produire à la même heure, pratiquement, où cette personne a reçu un tir de balle dans le corps. Mais pour l'enlèvement, pour le séquestre, je dis que c'est un crime continu. Ça veut dire que c'est un crime qui se perpètre tout le temps que la personne est privée, que la victime est privée de sa liberté contre sa volonté. Disons que cette personne a été privée de sa liberté, a été kidnappée, l'année 1974. Alors, l'amnistie, à mon avis, s'appliquait pendant le temps entre 73 et 78 que cette personne avait été disparue. Mais cette personne, naturellement, continue à être disparue. Il y a 1200 personnes qui continuent disparues après la date de pardon, après la date où ces crimes-là étaient couverts. Alors, pour moi, ces crimes ne pouvaient pas
être amnistié. Et je commençais à appliquer ça du début. La prescription, j'ai eu pour la prescription la même idée, que si ce crime avait été commis un jour de 1974, et ce crime continuait à se produire dans le temps, donc il n'y avait jamais eu le laps de temps qui puisse permettre d'appliquer la prescription. Il y a aussi d'autres aspects légaux que j'ai dû appliquer, et beaucoup de juges ont appliqué aussi, que c'était la chose jugée. La chose jugée. Nous connaissons, s'il y a des gens qui n'ont pas fait le droit, je m'excuse, je vais essayer d'être le plus clair possible. La chose jugée veut dire, en simple français, qu'on ne peut pas juger deux fois pour la même chose. Et pour qu'il y ait une chose jugée, il doit y avoir une identité de victime, une identité du crime, et une identité de victime du crime, ah oui, et une identité d'accusé. C'est le accusé, c'est masculin ou féminin? Accusé. Bon. Pour nous, il n'y avait pas une identité d'accusé entre la vieille cause et la nouvelle, il n'y avait pas une identité d'accusé pour une raison dont je vous ai dit tout à l'heure. Les investigations ont été tellement superficielles quand ils se sont faits dans le temps qu'on n'a jamais su qui était le coupable. Alors, si bien il y a eu l'identité de victime et l'identité du crime, il n'y a jamais eu une identité d'accusé. Donc, c'était très facile de dire que ça ne pouvait pas s'appliquer. Il y a d'autres institutions juridiques qu'on a appliquées, mais finalement, c'est la partie belle, ou une des choses plus belles du droit, et qui sert à que les gens soient égaux en face de la loi, c'est que c'est comme si le droit était du mathématique. Les choses où s'appliquent, mais si les choses s'appliquent, elles s'appliquent bien. Ou les choses ne s'appliquent pas. Alors, il n'y a pas... ça fait que le droit bien appliqué va être toujours égal pour tout le monde. Ça, c'est en plus un idéal de la justice. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On a peut-être le temps pour une autre question. Gabriel Renier, étudiant. La question. Sous la dictature, jusqu'où les intellectuels et les opposants pouvaient aller pour tenter d'améliorer, de réformer ou de donner un visage humain au régime sans risquer la torture? Ça va avec la torture, votre question? Mais jusqu'où les intellectuels pouvaient aller pour essayer d'améliorer le système sans perdre leur emploi, sans risquer la torture? Donc jusqu'où les opposants à la dictature ont pu participer à essayer de faire une meilleure... Ah oui, je comprends. Non, ils n'ont pas pu simplement. Non, si j'étais juge à l'époque, si j'avais dit une chose contre la dictature, j'aurais perdu mon travail naturellement d'une façon très subtile.
on m'aurait envoyé à, dans une ville dans le désert où il y a 5000 habitants, ou bien au sud, à la Patagonie, pour que, loin de ma famille, où la chose la plus logique que j'aurais fait était renoncer à mon travail. Et les gens qui n'avaient pas une petite quote du pouvoir comme les juges, ils auraient été ou tués ou éliminés sans laisser de traces. Non, la dictature était une... On a beaucoup dit que c'était une dicta blande. Hein. Blande, ça veut dire molle. Mais ce n'était pas une dicta molle, c'était une vraie dictature avec des persécutions immédiates contre toutes les personnes qui se manifestaient contre ou qui pouvaient dire que ce n'était pas bien. Par exemple, j'avais un copain qui était professeur de procédure pénale et un jour, les élèves l'ont dit, mais quelques mois après le coup d'État, c'est quoi ce qu'on a comme gouvernement, parce que les forces armées disent que ce n'est pas une dictature, que c'est un gouvernement qui va vers la démocratie. Qu'est-ce que c'est, ce gouvernement? Et cet ami à moi, ce professeur, a dit, c'est un gouvernement sui generis. Et comme personne n'a compris, alors ils n'ont plus insisté. Mais c'est vraiment un gouvernement bien plus que sui generis, c'était... la dictature parfaite, du point de vue des dictateurs, naturellement. Peut-être une dernière question, ensuite, il va falloir laisser, là, je ne sais pas comment choisir, il y a à peu près 5 mains levées. Hélène Ronan, j'ai étudié ici à l'Université de Grabé. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez pensé par rapport, dans ces moments, par rapport à la répression de Pinochet. Par rapport à la juridiction universelle. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé dans ces moments et aujourd'hui? Ça m'a beaucoup aidé à étudier parce qu'à l'époque, je n'employais pas le traité international pour, comme je peux le faire aujourd'hui parce que je me suis convaincu de beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Mais qu'est-ce que je pensais du fait que Pinochet était emprisonné par Garçon. Ah, je dis, quel alivio. Comment dit-on ça en français? Quel soulagement. C'est tout ce que je pensais. Et je continue à travailler avec les autres qui n'étaient pas Pinochet, qui étaient aussi mauvais. Non. Mais tous ces institutions dont je parlais tout à l'heure, l'amnistie, la prescription, etc. Dans le temps, je l'appliquais seulement, ou je ne l'appliquais pas plutôt, je ne l'appliquais pas pour le kidnap, pour l'enlèvement. Mais aujourd'hui, si j'étais dans le tribunal, je ne l'appliquerais pas. Simplement parce que les crimes, j'ai compris bien que les crimes sont des crimes contre l'humanité et qu'ils n'acceptent pas l'amnistie ni la prescription. Non. Alors, je vais vous remercier tout le monde parce qu'on va... Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage inspirant, certainement, pour tous les jeunes juristes qui sont merci. Ici. Je pense que vous avez démontré avoir été un excellent juge, mais aussi professeur. Alors, merci. Vous avez beaucoup de potentiel. Merci beaucoup. Alors, merci d'être venu. Alors, un petit cadeau pour vous remercier de votre visite. Je peux le voir? Oui, vous pouvez regarder. Oh, dis donc. Oh, mais... Quelques petits cadeaux. Je vais la mettre tout de suite. Non. Et merci. Ça, c'est un livre sur l'histoire de l'université. Ah, merci beaucoup. Et un autre? Oui, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Bon, merci à vous. Ça, c'est très intéressant. C'est